cache-cache dans tout un village. On court. On est enfermé dans une église. Il y a un mec qui nous a enfermé dans l'église. Il y a la gendarmerie. Ça part en urbex. Attends, on a la meilleure cachette. Écoutez, moi je vous remercie. Abonnez-vous à Benjamin. Salut à tous les amis, c'est Benjamin, nouvelle vidéo. Cache-cache avec une équipe de foot. Nous avons Tuche comme dame. Esteban, une vidéo en Amazonie avec lui. Lucas. Maxence, du jamais vu. Et un petit extra. Aussi du jamais vu. Donc là, c'est vidéo cache-cache dans tout un village. Oui, mesdames et messieurs, dans tout un village. On a le village pour nous. On va pouvoir se cacher partout. Comment ça, je te fais trop rire? On explique les règles? Ouais, vas-y. Salut, c'est Benjamin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est moi qui vais t'expliquer les règles. Les règles sont simples. 3 équipes de 2 sont créées, mais sur ces 3 équipes, seulement 2 équipes vont se cacher dans tout le village. La troisième équipe va être celle qui va chercher. Ils vont compter pendant 10 minutes. Au bout des 10 minutes écoulées, les chercheurs appellent les deux équipes pour dire que c'est fini. Et quand c'est fini, ils n'ont plus le droit de bouger, peu importe où ils sont. Il va vraiment falloir être rapide. Il y a quelques détails importants à savoir. Les chercheurs vont chercher pendant 20 minutes et les cacheurs ont le droit de se cacher partout, genre vraiment partout. Exemple, chez quelqu'un, si la personne est d'accord, bien évidemment. Faut vraiment être très fort pour faire ça. Il y a quelques avantages pour les chercheurs. Quand les chercheurs ont fini de compter, ils vont aller sur la carte Snap pour localiser les deux groupes sur Snap en zoom oiseau pour éviter la précision. Au bout des 15 minutes, les chercheurs ont le droit de passer un appel par équipe cachée pour faire sonner leur téléphone. Cela peut être fatidique. Au bout des 20 minutes, les chercheurs ont tout simplement perdu. Les interdictions. Il est interdit de changer de cachette ou bien de se déplacer pendant la cachette. Il est interdit de reprendre une cachette déjà utilisée par soi-même ou par un autre cacheur, ce serait trop facile. Et pour finir, il est interdit de se cacher à moins d'un mètre de son binôme. Bah oui, faut pas abuser non plus. Voilà, j'en ai fini avec le règlement, je vous souhaite une bonne vidéo. Essayez de se mettre d'accord sur quelle équipe commence. Bah nous, ah bon. Nous on compte, on veut compter nous. On est plus intelligent. Lucas. Okay, quand vous voulez. Hein. À gauche. Aïe. Aïe. 1, 2, et c'est parti. Et courir. Vous avez mis le chrono, hein? Ok, ils sont partis. À droite. À gauche. Oui. Ok, les gars, on a sûrement un plan là. Parce que du coup, j'ai quelqu'un sur Snap. Du coup, je vais l'appeler maintenant. Je sais pas qui c'est. On va essayer d'appeler, petite visite de Saint-Pompin. On s'attendait pas à une aussi grande ville. Là, à la base, ça devait être un petit village. Mais finalement, c'est. Non, mais en vrai, attends, pour la première cachette, viens, on essaie de trouver un truc bien, genre sans bon, aller chez les gens et. Du coup Ryan c'est toujours ça son appel. Par contre Ryan, on a que 10 minutes. Mec c'est bon, c'est vraiment mec qui était dans ma classe en seconde. Ok nice. Bah, on a peut-être un plan du coup pour être chez quelqu'un. Du coup là on va partir sur une première cachette lieu public je pense plutôt. Et après on va essayer de décacher chez quelqu'un que Ryan connaît. Mec, clairement. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais on va pas. C'est pas mais il faudrait vraiment une bête de cachette là-dedans. Hein oui non mais là c'est clairement un bout du cimetière. C'est un peu bizarre de se mettre là. On va pas aller se cacher dans le cimetière, Ryan. C'est très glauque. Vu Axel. Du coup, on va essayer de décaler dans cette petite Axel forêt là. À tout moment, ils ont décalé dans une. Ouais, ils avaient la même idée que nous. Essayer de se caler genre un peu dans la forêt, comme ça c'est un peu compliqué à trouver. Il va falloir escalader ça par contre. Petit cours d'escalade. Escaler. Il me fait beaucoup de escalade. Mais tu veux pas te mettre plutôt genre derrière la voile? Derrière? Ouais. Non, je pense pas. Regarde où ils sont les autres là. Regardez, c'est cool. Et tout le monde est dans le cimetière. On sait pas où se mettre du coup là. On est pris au piège avec les deux là-bas. Je suis de Ryan, je laisse là-dessus. Attends, je filme un petit peu la belle ville. Belle ville de Saint-Pompin. Attends, je fais des belles prises moi. Bon, allez, nous on bouge. Changement de position du coup. On va essayer de trouver un nouvel endroit. Genre dans un champ. Et du coup, on essaie de se dépêcher. Il reste 20 secondes là, même pas. Ouais, bouge, pas gauche. Ok, on va se caler là. Normalement on n'a pas dépassé le panneau. On est clairement dans un berger. Je vous montre un petit peu notre cachette, c'est pas la meilleure. Il leur reste 7 minutes. Hein, il vous reste 7 minutes les gars. Mais courez hein. 5, 4, 3, 2, 1. Ok go, vas-y appelle. Allô? Ouais. On arrive. Ouais, on est caché. On arrive. On va regarder leur log. Ok donc normalement ils sont vers là. Faut aller vers la gauche. Ouais.
C'est par là où on les a vu passer, là-bas. Vas-y, go. Bon, on est parti les chercher, le compteur est fini, on les a appelés. Ça va être trop dur. Là, on a combien, 20 minutes? 20 minutes, ouais. Si on se rapproche de... On fait qui, Maxence et Esteban? Les deux, de toute façon, ils sont... Oui, les deux sont pas loin. Donc, on va aller vers là. Je pense pas, ils sont allés dans le cimetière, quand même. C'est un petit peu la belle ville. Belle ville de Saint-Pourpin. Ça serait vraiment osé. Ah ouais, ici? On va voir. Vas-y, go, on y va. Ah ouais, c'est chelou, c'est derrière le cimetière. Non, ils sont pas là. Traduit là. C'est bon, alors on a vu sur le Snap que vous êtes dans le cimetière. Qui est là-bas? Arthur. Ouais, en fait, on va se retrouver en premier là. On se rapproche de Maxence pourtant. Mais Esteban, il doit être là-dedans, c'est sûr. Soit là, soit là. Vas-y, viens, on va voir le champ. Juste derrière. Là, ils ont l'air d'être juste derrière. Ok, ils sont peut-être là. Et du coup, Ryan va essayer d'appeler pour la prochaine cachette, là, le mec qui connaît. Puis on essaie déjà de préparer notre prochaine cachette. Et bon, là, c'est pas la meilleure, mais on va essayer de se rattraper sur le prochain, quoi. Non, mais c'est... Ouais. En vrai, je pense qu'il va dire oui. Bon. Oui, bébé. Tiens, on court. Attends, je vais zoomer. Ah oui, oui. Elle a un gros pied. Attends. Faut qu'on trouve un moyen de rentrer. Fais-toi discret. Ils sont écoutés, j'ai entendu des voix. On les a trouvés. C'est tendu. Oh, je les vois, ils sont là. Oh, on voyait vos gros pieds. T'es en chaussure blanche? Pas trouvé Maxence. Non? Sur le log vous étiez à côté de lui. Apparemment il était à côté de Maxence. Qui? Nous? Mais non, mais sur le log vous n'avez pas regardé. Non mais si. Il va regarder qu'au début. On était pas très loin, je pense, ouais. Bon, du coup, on s'est fait trouver, on a un peu le seum. Combien de temps, là? 10 minutes. 10 minutes, c'est très moyen. Du coup, nous, on va chill. On a même pas utilisé l'appel. Et c'est parti! On retourne dans le petit chemin tout à l'heure, on était trop près. On retourne dans le petit chemin et qu'on rentre dans le champ. On va rentrer dans le champ, ouais. Et donc là, on retourne là, derrière le cimetière. Est-ce que ils sont là? Vraiment dans un champ. Oui, je suis la trace. Fait qu'il y a une trace. Ils sont derrière l'arbre à tous les coups. Ok. Ils sont là. Oui. Ah oui, okay. Vous avez gagné. Ah, normal. Bien joué. Putain, vous étiez là. Et tout à l'heure, on était là-bas, on avait pas s'aventurer. Ouais, on est venu au bout du champ, on a dit putain, on va pas rentrer. Bon, on les a trouvés. 14 minutes et eux 10 minutes. 14 minutes, 14. Tiens. Ah non, touche-la pas, Ben. Oula. T'es forceur. Esteban, je suis à gauche. Allez, je fais 2, 1, go. Allez, c'est parti. Bon, du coup, ils viennent de partir. Là, on doit attendre 10 minutes. Ça va être très long. 10 minutes qui partent. En tout cas, nous, la prochaine cachette, on l'a vraiment bien, du coup, avec l'habitant. En vrai, c'est une bonne strat de se mettre loin, parce que du coup, le temps que les autres. Juste le temps que les autres. Même si t'es un endroit pété, le temps qu'ils arrivent. Ouais, je suis d'accord. Après, en soit, s'ils vont vite, ouais, tu mets 10 minutes. Non, en vrai, je sais pas, c'est une bonne idée. On est parti se cacher. Ils sont trop forts.
Oh oui. C'est là ? Et genre, il est là, votre fils ? Non, mais non, mais non, on va. Si vous êtes pas là, si on trouve quelqu'un sur la route, on essaye, ok ? Bon, okay. On arrive, c'est l'objectif. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est presque bon, il reste 10 secondes. On va aller les trouver. Voilà, on est parti. Oiseau, du coup, Arthur, ils sont vers là-bas. Essayez de trouver ça. Mais viens, on se fait l'église, du coup, non ? Je sais, faut que c'est ça. Non, mais vas-y, viens, on se fait l'église. Non, on se casse dans l'église. En vrai ? Je sais pas si. On va voir l'église ou pas? L'église en reste pas de bien à l'intérieur. Nous sommes cachés. En vrai, à tout moment, soit ils sont à l'église, l'église où j'ai vu, il y avait la mairie. La mairie est compliquée de rentrer dedans, alors que l'église on peut rentrer dedans largement. Les gars, on est refermé à clé. Les gars, s'il vous plaît. Y a quelqu'un? Wesh, on est enfermé. On est enfermé à clé. Oh, vous êtes là aussi. Ferme ta gueule, on est vraiment enfermé. Qu'est-ce qu'on fait dans l'église? On est enfermé à clé. Bon les gars, la vidéo est part en imp. Non, 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 arrête. Le gros, on va voir la porte. On est enfermé dans une église. Non, non, non. Non, laisse tomber, y'a deux portes. Là, 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 ok, c'est bon, c'est bon. Oh, gros, c'est trop fort. Ok, on retourne. Mais on vous a même pas entendu. Attends, 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 les gars, allez, allez, allez. Mais de toute façon, on a le droit d'être là. Mais Bugsy, c'est fermé. Ça trouve qu'il y en a activé l'alarme, là. Tranquille. Au pire, je sais pas dire où, mais là. Oui, mon oncle. Et en plus, moi, je croyais que c'était genre un de vous, mais, au début, qui disait. Et vous avez pas dit. Mais pourquoi vous avez pas dit que vous étiez là? Et quand on a entendu un rire, moi j'ai eu trop peur, hein. Je savais pas que c'était vous. Hein. Ouais, mec, j'ai eu trop peur, j'ai cru que j'allais rentrer dans l'église. C'est n'importe quoi, on est enfermé dans l'église. C'est n'importe quoi, on est enfermé dans l'église. Ils sont chauds. Rien sur la loque, c'est terrible. Je sais pas comment les trouver, là, c'est compliqué. Là, moi, juste, on dit que c'est comment je passe, qu'on aille chez le mec. Donc c'est dit, c'est fait, on va aller chier chez l'habitant. Par contre, ils sont forts, ils sont en Iran. Enfin, y a un mec qui nous a enfermés dans l'église, mais on l'a rouverte. Heureusement que ça s'ouvre à l'intérieur. Ouais, c'est un tout petit moi, je parie sur l'église. Peut-être là, moi, je sens bien cette ruelle. On a une idée sur cette ruelle. Là. Okay, on va aller voir en fait. Ouais, petit coup de là pour voir si on s'est écarté. Ok, on s'est écarté, c'est pas là. Non, c'est un tout petit peu tendu. Là, là. C'est abandonné. Ah, là, ça a l'air abandonné. Le truc a l'air abandonné. Bah, rien. Franchement, c'est possible qu'il soit là. Non, mais genre en mode là-bas, il y a une porte qui est ouverte. Attends, j'ai quand même envie d'aller voir là-dedans. Grange, c'est un peu flippant. Non, il n'y a personne. Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le grand monarque, le Christ cosmique. C'est une bonne cachette là pourtant. Moi c'était grave ouvert là-bas, je suis rentré carrément. Ça part en urbex. C'est en ruine. Ouais. Oh, s'ils sont là, j'ai pas envie de descendre. Non. J'ai vraiment pas envie de descendre là-dessous. J'ai pas envie de descendre. Sur la loque, il y a moi. Du coup, on va essayer d'aller voir vers l'église. Plutôt. Ils font un groupe avec Arthur, ils sont à côté. Tous à côté? Bah ouais, qui en arrive à l'église. On fouille autour de l'église. Ok,
Qu'est-ce que vous promis cette musique? Ils sont là. C'est vous promis la musique. Oui, je sais, j'ai entendu. Ils sont au fond. Ils sont au fond. Non, c'est pas Maxence. Ah, salut. Vous êtes trop bête d'avoir mis la musique. Mais c'est pas nous. C'est qui? C'est les gars. Mais sur la carte là, vous êtes tous au même endroit. Ils sont plus au fond. Non, j'attends. Mais non, mais ça se voit qu'ils sont pas là-haut, regarde, on voit tout là-haut. Viens avec moi, Benjamin. Non, mais j'ai pas le droit de chercher. Oui, mais j'ai pas envie d'y aller tout seul. Non, mais les gars, j'ai pas envie. Est-ce qu'il y a de la musique et tout? C'est hyper chiant. Mais c'est vrai. Dix minutes au moins. Minute? Mec, en fait, c'est chiant. Quoi? C'est vous que là vous voulez, c'est une victoire royale. Oui, de base, on devait être enfermé, vous pouvez même pas rentrer normalement. Le regard, le verrou, il est... C'était la meilleure chose. Ouais. Les gars, c'était la meilleure chose, vraiment. Allez, go, on est reparti se cacher. C'est eux qui comptent. Bon, on part sur les gagnants qui comptent quand même, ça se fait pas trop. Voilà, un peu déçu. On attend encore 9 minutes à partir de maintenant. Let's go. Oui, ok, on est reparti se cacher. C'est de se dépêcher pour être à l'heure. Mais ils sont bêtes d'avoir mis la musique, parce qu'ils avaient pas mis la musique, non, on n'aurait pas cherché autant. Mais de toute façon, dans tous les cas, on aurait trouvé. Oui, bah, en vrai, c'était marrant. Moi, j'ai bien aimé. On continue. Regardez ce qu'on a trouvé. Là-bas. Vas-y, on se met là. C'est trop beau. Oh, attends, il a des pipiques. On en voit des trucs. On en trouve des trucs. Allez, on y va, la Ryan, on n'a pas le temps de jouer avec le chat. On a trouvé notre hôte. Ah, mec, pose pas de questions. On a fait soirée la veille. Bon, on a trouvé la maison. Ouais. Non, non. Salut. Salut. Ah, oh, je suis mort, il fait chaud. Attends, on a la meilleure cachette. Ah, mais c'est ça, avec les volets rouges, ils vont pas voir. Ouais, on les verra arriver, nous. Ouais, tu veux dire. Vas-y, chaud. Ah, on est bien accueillis. Bien accueillis. C'est ravitaillement. T'as trouvé un autre endroit, finalement. Rien. Allez, on va voir. Go. C'est nul. Trop nul. On reste dans les marches en vrai. Je vais les attendre. Mais t'as lock, hein. Toujours dans la maison, il y a le chien qui fait que gueuler, j'ai vu sur la lock snap, par exemple, c'est sur la maison d'à côté. Il devrait arriver dans la rue à un moment. Alors, on peut le voir en plus, mais nous, il ne nous voit pas. Du coup, voilà quoi. Là, on est posé, tranquille. Et la lock, on est ensemble sur la lock? Oui, sur la lock, on est ensemble. Là, vous avez la maison d'en face. Ah non, on voyait rien quand on était devant. Ah ouais, ok, ils sont clairement là. C'est très marrant. Ryan, il aurait eu les couilles de rentrer comme ça ou pas? Ah, il aurait eu les couilles, mais il y a le chien. Non, il voyait, il voyait, il voyait. Mais frérot, les gars, on sait que vous êtes là, mais il y a le chien, on va pas... Regarde, il se fait rentrer. Il y a le chien. Ah, c'est très marrant. Viens, on le doucement. Il demande de rentrer. Ok, il monte, ok. Il s'est refait par le chien, hein. Il est mort. Ouais, c'est mort.
Viens, on se taille. Ah, il me pute. Viens, tu prends ton chien et tout pour qu'il vienne. Oui, quand il a passé. Genre, tu veux faire, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je te. Ouf, tu fais qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux pas, Bonjour. Est-ce que tu peux dire à Esteban et Ariane de sortir, s'il te plaît, parce qu'on a entendu leur voix? Il n'y a pas deux jeunes avec toi. On a entendu leur voix. Vous pourrez voir qu'il y a personne. Ok, mais tu nous assures que le chien, il ne bouffe pas? Ouais, si vous voulez. Ok. Mais c'est sûr, ils sont là. Ils sont là-dedans. Je suis mort. Je vais pouvoir chier. Je pense qu'ils savent, là. Esteban, est-ce qu'on se Merci les gars en tout cas. Cette très bonne cachette, très bon accueil. C'est ça qui est incroyable. En tout cas, c'est cool. Hein. Mais merci mec. Merci beaucoup. Merci à la prochaine, gars. Bisous. A plus. Ouais, t'inquiète. Il y a les flics ou quoi? Ouais. Les gars, il y a les flics. Mais il y a la gendarmerie. Je vais essayer de filmer en Paris. En Paris, ils vont nous dire, ouais, c'était chez les gens. Derrière là-bas. Ah, je peux pas zoomer. Bon, bah, du coup, on a creusé la gendarmerie, c'est quoi? Parce que genre tout à l'heure on est rentré du coup chez les gens en pensant qu'il y avait par rapport à la location. Et genre il y a un vieux, genre 2 minutes après, il allait dans le jardin et était en mode. Bon, on a fini la manche, on a gagné, mais ils nous ont pas trouvé. Du coup on s'est acheté à boire. Là on va rejoindre tout le monde à l'église. Oh, la chaleur qu'il fait là-dedans. Gros, c'est un sauna ta voiture. Regarde. Ils sont avec des gens. Est-ce qu'ils font A, Z? Bah, vous voyez, ça c'est des gens en or. Ils aident les gens. Ça va les gars? Vous faites quoi? On les aide à demain. Ils sont gentils, hein? On se fera une bière pour les aider à débarrasser le coffre. Bonjour, vous avez besoin d'aide encore? Vous voulez-vous? Tiens, c'est pour Winned. Non, je prends pas, merci. Écoutez, moi je vous remercie, vous êtes. Ça fait plaisir. Ah. Bonjour. Non mais merci. Vous êtes pas de saint pour faire? Non. On est juste venu là pour aujourd'hui. Très bien. Vous explorez? Oui, on fait ça en vidéo, on explore. Le retour des beaux paysages. Dans tout le bout, pas une seule fleur. Alors soit disant que j'ai agressé la personne à qui j'ai dit que c'était dommage d'avoir pas de fleurs. Bon. Ça m'a venu une engueulade de 2 heures. Non. Ah oui. Madame le maire, 2 heures. Ouais, faire ça. Un souci, madame, vous m'appelez. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait aucun effet. J'ai ri pendant toute l'engueulade. Enfin, c'est comme ça. Mais écoutez, vous êtes adorable. Parce que oui. Vous pouvez dire bonjour à la caméra. Ah bon, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire de vous abonner à la chaîne? Bonjour, merci. Abonnez-vous à Benjamin. Alors, parfait, merci. Parce que j'ai dit à mon fils, on avait du monde à déjeuner. Bon, allez, on va y aller, nous. Oui. Mais on est fraîche, là, allez. Non, monsieur, c'est vrai. Vous les emmenez. C'est un ordre. On met ça. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci. En vrai, vidéo de fou. Il s'est passé plein de trucs là. Bon, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous comme la grand-mère a dit. Chose. Abonnez-vous à Benjamin.